Les amis, le temps presse. Il faut agir vite ou tous nos efforts n'auront servi à rien. Bien, revoyons le plan une dernière fois. Primo, on commence par un film du Kuhn. Ensuite, on passe au film de Super Craig. Puis Super Craig et Kuhn s'unissent dans le film de l'homme cerf-volant au moment où on lance la série de Kenny sur Netflix. Et pourquoi j'aurais une série Netflix, hein? J'aimerais bien un film, moi aussi. Tu as un film, Mysterion? Tu figures dans le troisième film du Kuhn et sa bande, après ta série Netflix. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas son propre film. J'ai eu mon film, moi? Tout le monde n'a pas son propre film! Ça double comme projet de franchise! Ouais, Timmy avait raison, on devrait commencer la franchise par le film de Tupperware! C'est ça, et commencer par un super-héros noir! Marvel a fait un film avec un super-héros noir. Ouais, mais ils ont attendu des années pour pouvoir le faire! On suit leur plan, on met d'abord les vrais persos avant d'insérer le gars noir en phase 3! Mais notre franchise devrait viser plus large! Ouais, mec, on devrait lancer la franchise avec un black et une fille comme héros! Du coup, tout le monde nous trouverait terrible et ils seraient tous... Allez, arrête, mec! Bah quoi? Mec, dis pas que les héros devraient être une fille et un black juste pour que t'aies bonne conscience! Je dis pas ça pour ça! Dak, JJ Abrams. Ah, d'accord! Alors t'es du côté de Cartman? Je suis pour commencer par le meilleur perso, pas le plus politiquement correct! On sait tous que Tupperware n'est pas le meilleur perso! Va te faire foutre, c'est mieux qu'un homme cerf-volant! S'il soutient le projet, c'est parce qu'il figure dans deux films en phase 1. Les gars! Il faut qu'on suive ce plan! On a encore aucun film! Vas-y, toi, suis le plan et nous, on va peut-être lancer notre propre franchise! Ouais! Ouais! Ah, c'est la guerre civile que vous voulez, c'est ça? Ouais, mec, la guerre civile dans ta face! Oh, mais putain, foutez le camp de chez moi! On fera carrément plus de fric avec notre franchise. Allez-y, je parie que vous arriverez même pas au mi-chemin de la phase 1 avec votre franchise, DC Comics! Je croyais que la guerre civile devait pas survenir avant la phase 3. Ta gueule, Super Craig! Les amis, le temps presse. Il faut agir vite ou tous nos efforts n'auront servi à rien. Bien, revoyons le plan une dernière fois. Primo, on commence par un film du Kuhn. Ensuite, on passe au film de Super Craig. Puis Super Craig et Kuhn s'unissent dans le film de l'homme cerf-volant au moment où on lance la série de Kenny sur Netflix. Et pourquoi j'aurais une série Netflix, hein? J'aimerais bien un film, moi aussi. Tu as un film, Mysterion? Tu figures dans le troisième film du Kuhn et sa bande, après ta série Netflix. Ouais, mais ce qu'il dit, c'est qu'il n'a pas son propre film. J'ai eu mon film, moi? Tout le monde n'a pas son propre film! Ça double comme projet de franchise! Ouais, Timmy avait raison, on devrait commencer la franchise par le film de Tupperware! C'est ça, et commencer par un super-héros noir! Marvel a fait un film avec un super-héros noir. Ouais, mais ils ont attendu des années pour pouvoir le faire! On suit leur plan, on met d'abord les vrais persos avant d'insérer le gars noir en phase 3! Mais notre franchise devrait viser plus large! Ouais, mec, on devrait lancer la franchise avec un black et une fille comme héros! Du coup, tout le monde nous trouverait terrible et ils seraient tous... Allez, arrête, mec!
Bah quoi? Mec, dis pas que les héros devraient être une fille et un black juste pour que t'aies bonne conscience. Je dis pas ça pour ça. Dak, JJ Abrams. Ah, d'accord. Alors t'es du côté de Cartman? Je suis pour commencer par le meilleur perso, pas le plus politiquement correct. On sait tous que Tupperware n'est pas le meilleur perso. Va te faire foutre, c'est mieux qu'un homme cerf-volant. S'il soutient le projet, c'est parce qu'il figure dans deux films en phase 1. Les gars, il faut qu'on suive ce plan. On a encore aucun film. Vas-y toi, suis le plan et nous, on va peut-être lancer notre propre franchise. Ouais. Ouais. Ah, c'est la guerre civile que vous voulez, c'est ça? Ouais mec, la guerre civile dans ta face. Oh mais putain, foutez le camp chez moi. On fera carrément plus de fric avec notre franchise. Allez-y, je parie que vous arriverez même pas, mais je marque la phase 1 avec votre franchise DC Comics. Je croyais que la guerre civile devait pas survenir avant la phase 3. Ta gueule, Super Craig. Qu'est-il advenu de cette ville? Avant, on y respectait les lois. La justice, c'est terminé. La criminalité est galopante. Les chats disparaissent et les habitants de South Park se font persécuter. Non mais, t'as un sacré toupet, petit! Qu'est-ce qui te prend? Oh! Oh! On était censé protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Barre-toi de ma voiture, petit morveux! Aujourd'hui, les super-héros sont divisés par leurs différences politiques. Nous sommes deux camps qui s'affrontent. Mais la guerre ne sauvera pas notre ville. Le voyage temporel est mon seul espoir désormais. Les mythes parlent de temps immémoriaux. D'une époque où un nouveau roi parvint à unir un royaume se disputant un puissant bâton. Bonjour, trésor. Ta gueule, maman! Il n'y a pas de temps à perdre. Je dois retourner en arrière, trouver un moyen de changer le présent et sauver ce chat. Et ainsi, je pourrai peut-être changer le passé, notre passé à tous. Thank you.
t'inquiète pas, ça n'affecte pas les combats, juste tous les autres aspects de ta putain de vie. On devrait se réjouir qu'il se soit fait des amis aussi vite. Nous sommes venus ici pour nous cacher. Plus d'amis égale plus d'ennuis. Tu deviens parano. Décroche plutôt de ce truc, je commence à ne plus te reconnaître. Lâche-moi un peu. C'est le seul truc qui me détend et me permet d'oublier toutes tes conneries. Tiens, coucou, toi. Ah, tu es là? J'avais pas vu. Tes amis sont en bas. Sors t'amuser. Hé, hey, regarde, t'as apporté une serviette. Hé, hey mec, je suis Serviettski, ton copain de jeu. De temps en temps, je te donnerai des tuyaux parce que, eh ben, tout le monde aime les tuyaux, pas vrai? Bon, allez, à plus tard. Majesté, les immondes morts tentent de prendre Koopakeep. Vous devez venir vous battre, Majesté, vous êtes notre seul espoir. Majesté! Allez, putain! Quoi? Tu viens juste d'arriver en ville et c'est toi le roi? Le roi des baltringues, ouais! Éclatez-lui la face à ce mort, sire! Ouais, le laissez pas vous parler comme ça! Allez, le roi! Donnez-leur une bonne correction, sire! Je n'ai pas peur de toi et de tes combos royaux stratégiques. Ah, oh la vache. Bon. On ne peut pas l'arrêter. Préparez les gardes de la cour noire. Waouh, vous avez vu ça? Le roi est incroyable. Ses pouvoirs sont sans pareil. Tu ne peux pas tous nous battre. Ouais, rentre chez ta mère. Les écoutez pas, sire. Cassez-leur la tête. C'est quoi ce merdier? Normalement, c'est à moi de commencer. Eh non, ça fait partie des privilèges du roi, c'est lui qui commence. Dieu. T'inquiète, ce sont les méchants. Ah ouais, allez le roi.
Les morts ne craignent pas la mort. Le roi est trop puissant. C'était vraiment dégueu, mais pas assez dégueu pour nous vaincre. Notre roi ne sent même pas vos attaques. Vous n'avez aucune chance contre nous tous. Belle attaque, sire. Tout ça, c'est de la lave? Ouais, de là jusqu'à là, c'est de la lave. On peut pas la franchir. Merde! Allez, à l'assaut! Impossible! Ils disent que la lave nous barre l'accès à la porte! Ah, c'est pas juste! Que faut-il faire, Majesté? Qu'est-ce que vous faites? Vous bourrez! Lâchez le dragon! Un dragon? On est baisé. Mais non! C'est le grognement du dragon! Il est super. Vénère. Notre roi est invincible. C'est pas vrai, il est toujours pas mort. Préparez le souffle de feu. Évitez le souffle de feu. Terminez pas votre tour à un endroit où il risque de vous toucher. Ah, notre roi l'a évité. Eh merde. Ok, si vous utilisez votre attaque de souffle de feu, notre roi dégaine son marteau de règne divin. Le roi est inarrêt... Voiture ! Voiture ! Restez pas sur la route, les moutards ! La voie est libre ! Donc je disais, le roi est inarrêtable ! Il est tout puissant ! Puisqu'il s'en attaque ! Oh, merde ! De dragon. Oh mon Dieu, il a vaincu le dragon. J'y crois pas. Ce gosse est surhumain. Waouh, vous avez vu ça? Le roi est incroyable. Peut-être qu'il y a une issue par le garage. S'il existe une issue par le garage, le roi la trouvera. Oui, seul le roi peut trouver le passage secret par le garage, si... enfin, s'il y en a un. Oui, seul le roi, grâce à sa force et à son infinie sagesse, peut franchir cette barrière. Vas-y, Majesté, utilise ton intelligence inégalée pour trouver un moyen d'entrer. Coupe à qui paie par là, sire. Ouah, le roi connard est un super guerrier. Vous avez vu comment il a déplacé cette échelle et s'en est servi pour grimper? C'est vraiment le monarque le plus puissant de tous les royaumes. Oh putain, il est incroyable. Je croyais que le roi allait faire un super saut, mais en fait, il a fait ça. T'es mort. Barde, qu'est-il arrivé au bâton de la vérité? Le mage l'a fait jeter dans l'océan. M'enfonce! Tu vas subir la colère des maures. Lâchez-le, païen! Libérez le barde ou vous devrez en répondre à sa majesté. Le roi! On raconte qu'il peut pourfendre un dragon d'un seul coup. C'est exact. Et si vous le...
Une minute. Où est le mage? Je croyais qu'il était avec vous, les mecs. Non, on a reçu un signal de détresse nous convoquant ici. Le mage a disparu. Je suis le Koon et je viens du futur. Mec, on a dit qu'on jouait plus à ça. Ouais, on est tous divisés, ça sert à rien. Justement! À mon époque, on subit une vague de criminalité et des chats disparaissent. Il ne me restait qu'un seul espoir, réunir l'équipe. Hé, hey, tu peux pas s'enlever deux comme ça, où est le bâton de la vérité? La ferme, Kevin! Il s'agit pas d'un stupide bâton. Un chat est en danger et c'est la clé pour démanteler le syndicat du crime qui s'est installé en ville. Dans l'avenir. Un syndicat du crime? Ça a l'air d'une affaire trop grosse pour le coup des sabots. Tu veux quoi, Clyde? Que ces connards de potes de la liberté retrouvent le chat? Qu'ils empochent les $100 de récompense et qu'ils rendent leur franchise de super-héros plus populaire? J'emmerde les potes de la liberté. Exactement. Mon ange, j'entends une forte sonnerie en provenance de ta salle de jeu au sous-sol. L'alerte! Allez les mecs, rassemblez vos affaires et rendez-vous au repère du Koon, dans le futur. Koon et sa bande, rassemblement! Désolé les gars, vous pouvez pas jouer avec nous, on joue au super-héros, pas au boloss. Eh bien, il ne reste plus qu'à aller jouer à Star Trek Bridge Crew. On pourrait aller chez moi et regarder nos mains d'un air dépité. Je pensais rejoindre un gang. Ça pourrait être un coup de boost pour ma carrière. Oh, bonjour. Les garçons s'amusent au sous-sol dans leur petite salle de jeu. On dirait que tout ce qui a une poignée en or peut être ouvert. Essaye! Oh, tu ne peux pas entrer? J'ai bien peur que mon Eric ait verrouillé la porte pour m'empêcher d'entrer. Je jurerais qu'il a noté le code ici, quelque part. C'est un élément clé. Ça veut peut-être dire que c'est important.
Tiny-ho ! Pas de jeu ! Quand t'entres dans des toilettes, hésite pas à faire la pause caca. On peut avoir des trucs sympas en utilisant les toilettes. Bonne chance, mon pote !